Bonjour à tous, comme vous le savez, il y a un petit défi mort subite, donc il y a juste 9 victoires à faire, c'est assez simple, vu qu'il n'y a pas de défaite, vous avez le droit à autant d'essais que vous voulez, pour gagner quelques coffres et quelques petits trucs, et du coup je voulais vous partager un deck pour faire de la mort subite, et c'est parti, let's go! Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Eh ben on va jouer du bûcheron ballon, bien sûr du bûcheron ballon. Le bûcheron ballon, comment ça fonctionne? Bah, vous l'avez déjà vu 2-3 fois en vidéo sur le channel. Donc je pense... Ah, je me suis trompé de deck. Oh mon dieu, j'ai le pire des decks. Ok, c'est pas grave. Ah, on a rien vu. Ah, ouais, ok, on a rien vu. Bon, kick défensif. Ok, ben voilà, donc vous verrez un défi mort subite à l'Arkix, le deck le moins approprié de la mort subite. Et c'est volontaire, évidemment. Ah, mais quel nul! Mais quel nul! Ah, et puis du coup, je suis contre un spawner, super. Ok. On va refaire un autre Arkix là. Ah merde, elle était bien jouée, sa bûche. Elle permet de choper mes squelettes. Ok, ça va être un match intéressant. Oh bon, au moins c'est fun. C'est fun and interactive. Hein. On va poser plein d'Arkix quoi. Hein, pas se mentir. Chercher lui aussi, qu'à faire. Ok, on laisse un peu gratter notre tour, mais c'est vraiment pas grave. Du coup, il a plus la boule de feu, ce qui est assez cool pour nous. Ça c'est top. Faire un truc comme ça, on va ralentir l'esprit de glace, bim. Là on peut remettre une bûche qui va permettre de regratter tout le monde, on re-arkix. Wouh! Allez on va spammer les arkix, ça va être sympa. Hein. Là il va sûrement reboule de feu, j'imagine. Ok, s'il veut. Ah bah c'est sympa, hein, c'est intéressant. Ok. Bah c'est parti. Petit test offensif. Comment tu gères ça, mon ami? Ouais, mais ça suffira pas. Oh, bordel! Mais c'est sérieux, ça? Voilà, c'était le deck Arkix dans le... Ok, c'était pas volontaire, c'était pas du tout volontaire, j'ai juste oublié de prendre le deck en fait. Voilà, donc vous voyez que l'Arkix, effectivement, en défi mort subite, c'est pas mal. Alors, on veut de la foudre, incroyable. Il manque deux foudres, vous vous rendez compte, deux foudres pour monter... Pour la monter au max, vous pouvez le voir là. On est tellement pas loin. Bon, c'est pas grave, on est parti pour préparer le deck. Je me dépêche. Alors, boule de neige, fuite barbare. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, on a déjà le bûcheron, on a déjà le ballon. Il manque la mousquetaire, il manque les chauves-souris. Tu es la mousquetaire. Parfait. La mousquetaire qui passe. 1, 2, 3, 4. Il nous manque le golem de glace à la place du prince ténébreux. Même si on n'a pas trop envie de remplacer le prince ténébreux. Il est tellement fort. Pourquoi on remplaçait le prince ténébreux? Bah let's go. Let's go. C'est parti. Alors on va aller vite, hein, je vous préviens. On n'a pas le temps. Ah, on n'a pas le ballon. Non, on n'a pas le ballon. C'est la tristesse. Bon, c'est pas grave. On a l'esprit de glace. Ok, on a l'esprit de glace. On a déjà posé l'esprit de glace. Ah, si qu'il a un golem de glace, tant pis. Je ne sais pas quoi faire. Il ne joue pas en face. C'est pas simple quand l'adversaire ne le joue pas, évidemment. Ok! Ah, il est comme ça, lui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on prend la gauche ou la droite en premier? la gauche, c'était pas loin, c'était la gauche la réponse. Ok. Bon, voilà. C'était pas forcément le match le plus explicite du monde pour montrer le deck, mais c'est pas grave. Et bah encore un nouveau coffre. Foudre. Il nous manque deux foudres, vous vous rendez compte? Deux foudres. Alors évidemment, bon, la probabilité d'avoir des épiques dans ces coffres-là est quand même relativement réduite, on va pas se mentir. APPX de Royal King. Ah, on a le ballon, ça c'est pas mal. Par contre, on n'a pas le bûcheron.
Ah, bon, on part sur un premier push, on voit ce qu'il répond. Ok. Ah! La roquette. On n'est pas bien là, hein. Clairement, on n'est pas bien. Bon, au moins, on va gratter un peu les mousquetaires, on pourra défendre au fût de barbare. Bûcheron. Clairement, ça aurait pu être pire. On va mettre le golem de glace devant. Et on va ballon, simplement. Tu roquettes pas, tu prends un coup sur la tour, hein. Sache-le. Ça se joue à rien. Dame, j'ai menti, c'était pas vrai. Il s'est pas pris de coup sur la tour. Ok. Ah, il est comme ça, lui. Pas de problème. Pas de soucis. Let's go, let's go, let's go, guys! Ok, ça suffira pas. Il faut que tu remousquetaires. Ah, même si remousquetaires, ça passe! Let's go, let's go! Alors, bûcheron, du coup. Allez, pour le plaisir. On bourre, on bourre, on s'en fiche. On bourre. Allez! Pas de respect, pas de respect, il faut aller vite. Il faut aller vite dans ce mode de jeu. On n'a pas le temps et c'est la troisième victoire qui passe. Nice. Ok, bientôt le coffre à couronne en plus. 500 d'or. C'est des petites récompenses, hein. C'est le petit défi pour gagner un petit peu de sous-sous. Esprit de glace, alors on n'a pas le ballon malheureusement. On pourra pas faire un premier push ballon du non-respect. Ok, si tu veux. Si veux. J'achète. Ok, bah premier bûcheron ballon, c'est parti. Ok, ma boulet, je servais à rien. C'était au cas où, mais du coup, ça au cas où complètement raté. Oh non, pas ça! C'est pas sympa. Ok, on va attendre pour l'esprit de glace. On va mettre ça. On va mettre une mousquetaire. On va défendre avec le fût. Hop là. Prends pas de risque. Salut. Donc, il joue Tornade. C'est quoi ça? Pourquoi il joue Tornade? Pourquoi il joue Tornade? Est-ce qu'on a vraiment le droit de jouer Tornade dans ce mode de jeu? Ça va, la mousquetaire, elle va encore faire du bon travail à gauche. On peut redéfendre avec les badges, je pense. Plus un petit esprit de glace pour les avoir. Hop là. Bah, c'est parti, on va utiliser la rage. Rage, mon bûcheron, rage. Deviens énervé, deviens grave vénère. Ok. On va défendre la mousquetaire. Il a Tornade. Il a Tornade. On peut peut-être saisir cette opportunité. Faire un truc. Non, ça va être chaud. Au moins, ça vaut le storm. On peut repartir du coup en. Suite barbare ballon. Oh, c'est relou cette Tesla. Hein. Cette Tesla Tornade, vraiment, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas du tout, c'est pas sympa. Ok, on va redéfendre au bûcheron. Hop, salut. Suite barbare. Ah, j'ai plus de fuite pour la. Faut que je fasse gaffe quand même. Okay, ça peut être relou ce push. Hein. Je fasse gaffe, faut bien que je reprenne la mousquetaire. Voilà, c'est ça, on va défendre. Bah, même avec le bûcheron, parfait. Il le met derrière, on peut pas se priver. Let's go ballon, on va prendre la Tesla avec ça. Allez, tu testes la milieu de map, on le sait, on le sait. C'est relou. Ah, il t'en fout trop bien, il t'en fout trop bien avec son géant squelette thermal. Ok, c'est bien joué de sa part. On va remettre les chauves-souris. T'as les tempos comme il veut. C'est le roi de la tempo en fait. Il reste plus que 28 secondes, alors on va faire un draw. Simplement, hein. Je crois qu'on va faire un draw. Faut que je défende quand même à droite, hein. Que je fasse gaffe, ça peut aller très vite, évidemment. Ok, il remet son gentil archer magique. Clairement, on va viser un draw. Oh, c'est le timing sur la boule de neige. Le timing qui permet de prendre zéro dégâts sur la boule de neige, évidemment, c'est très important. Bon, bah voilà. On est reparti. On est reparti. Et il jouait trop défense, lui. Trop, trop défense. Stalex. Ok, cette fois-ci, on a le golem de glace, mais on n'a pas le bûcheron. On va recycler l'esprit de glace. Oh, honnêtement, vu ce qu'il est en train de faire, je crois qu'on va vite partir, hein. C'est parti, let's go. Bon, espérons qu'il ait pas la roquette.
Ok, je sais pas si c'était la bonne idée ce que j'ai fait. Hein. Allez, bûcheron! Allez, ballon, 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 ballon! Tu connectes un petit coup, simplement un. Voilà, c'est bien, parfait. Ok, ça va, ça aurait pu être pire. Ça aurait clairement pu être pire. Et là, on peut repartir en bûcheron ballon là. C'était un bon play ce que j'ai fait. Questionnable. C'est questionnable. Allez, tu connectes un deuxième coup? Oh bah si, c'était un bon play. Je suis parti très offensif. En fait, j'ai utilisé le fil barbare offensivement. C'est pour ça que je me suis questionné de savoir si c'était un bon play. Parce qu'évidemment, il joue fil gobelin. Mais ça pose pas de problème. Ça pose clairement pas de problème. La petite couronne qui passe, plus qu'une victoire et on a la couronne. Foudron. Non, je crois pas. On essaye. Hein. Si on ne demande pas au jeu en même temps, on ne saura jamais. Alors. Qu'est-ce que nous avons ici? On a du golem de glace. Ok, j'ai mis un peu de temps à réagir. Notre golem à l'ail. Hein. Ok. Ok, je vous zappe. Qu'est-ce qu'il a pour défendre Cerner? Découvrons. Ok. Ok. Bah, salut. C'était une belle partie, hein. C'était sympa. C'était sympa cette partie. Hein. On s'est bien amusé. C'est la rage, encore une fois. Le ballon sous rage, c'est quelques dégâts. Oh, le coffre à couronne. Double coffre. Foudron. Non, ok. Ok, non. Là-dedans? Foudre là-dedans. À mine de rien, on en ouvre des cartes. Hein. Ça en fait de l'or. Oh, Tornade, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est correct. Il nous en manque encore un peu pour l'avoir niveau 13, plus 135 d'or, nickel. On est reparti. Et plus 4. Oh, ça va vite en plus, hein, ce défi. Alors, ballon, boule de neige, mousquetaire, batte. Ok. Honnêtement, je vais voir s'il peut def mon push. Hein. Ah, ok, il est comme ça, lui. Il est comme ça, bah s'il veut, hein. S'il veut. Bon bah, c'était une belle partie. J'espère que vous avez apprécié, évidemment. En plus, dans tous les cas, on gérait la P.K. donc la P.K. elle mourrait gratos sur les battes. Bah très très bien, très très bien. On valide, plus que 3. Oh là, ça va trop vite, ça va trop vite. Let's go, guys, let's go. On n'a pas le ballon. Triste, tristesse, tristesse et chagrin. Nous n'avons pas le ballon. Allez, je gagne de glace dans le fond du coup. C'est pas grave. Ouh là là, un sorcier, j'aime pas trop ça moi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de faire, mon ami. Ok. T'es soit un truc comme ça, en voyant ce que ça donne. Ok, électro bizarre, on va le tuer au bûcheron. Oh, par contre, les barbares d'élite vont faire mal. Oh, je vais perdre là-dessus. Je vais perdre sur du barbare d'élite, vous en rendez compte? Non, je vais pas perdre. Je perds pas, 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 je perds pas. Ça tempo, ça tempo. Ah, ça tempo. C'est bon, on est bon, on est bon. Il touche pas le cochon, il touche pas. Voilà, parfait. Wouh! Alors, ça c'est glace, ok. Chill, chill la bite. Ok, bûcheron. Bûcheron, tu fais le travail, mon ami. Tu fais le travail. On est reparti. Ballon. Batte. Boule de neige au cas où. Non. Ok. Ballon, t'y vas, ballon. C'est ton jour de gloire. C'est ton destin, ballon. C'est ton destin d'aller sur la tour. Bon, juste également. Bon, c'est pas grave. 272. Bon, par contre, il a les barbares d'élite, donc on va faire super gaffe. Il a le cochon aussi. Ouais. Pas grave, ça passe. Ça passe. Ok. Si barbare d'élite, il a plus de tour. Je vous le dis. À tout moment, il perd sa tour. Voilà! Le ballon! Le ballon! Wouh! Il régale ce deck, hein. Il fait quand même plaisir ce deck. Hein. Ok. Cette victoire. Foudre! Dans le coffre à l'argent où il n'y a jamais rien, évidemment.
17 frites de feu quand même. Eh, je crois qu'on va pouvoir monter la cache Goblin bientôt à force de la recevoir. Ce qui est assez sympa parce que j'ai envie de la jouer en niveau 9, tout ça. Ok, si tu veux. Si tu veux. Ok. J'ai pas la boule de neige, elle est en dernière carte. Ah, j'aurais jamais dû golem de glace. En fait, j'ai golem de glace pour recycler ma boule de neige, mais c'était vraiment un misplay énorme. Un misplay monstrueux. C'est pas grave. Wow, def comme ça passera. Oh, c'est quoi ce deck? Oh, c'est quoi ce deck qu'il est en train de jouer là? Ce qu'il nous fait là? Non, ça ne marche pas comme ça! Tu ne tues pas notre mousquetaire, non, mais on en a marre! Tu tues pas nos unités là, sérieux? Ok. Bon, là, clairement, on va tout perdre, mais. C'était pour la gloire! Ok. Non, ça pire, arrête! Arrête, fais ça. Ok. Il a fait ça quand même, ça fichu. Ok, si tu veux le mineur, ouais, pas de problème. Bah, c'est parti? Ah non, c'est pas parti du tout. C'est pas parti du tout, il y a un sorcier. Mais il a combien de contres dans son deck Est-ce qu'il a encore la horde en main là? Comment je passe moi? Comment je passe? Allô? Je comprends pas. Comment je suis censé passer là-dessus? Retourne-toi! Ouais, c'est pas mal ça. Ok, cette fois-ci il a plus de sorcier en main. Il a la horde et tout ça, mais on va pouvoir les esprits de glace, boule de neige là, ça va être pas mal. Allez, tu la mets ici. Tu la mets ici, tu la mets ici. Ah, il la met devant. Ah, le vilain. Bon, c'est pas grave, le ballon connecte. Le ballon connecte grave. C'est pas mal. Ouais! Ah, même s'il a toutes les unités anti-air, on s'en fiche, ça passe. Bien sûr, ça passe. Bah, en fait, s'il la mettait aussi haute que ça, effectivement, du coup, il pouvait pas connecter. Donc, dans tous les cas, le pré-shot était bon. Foudre! Ça ressemble à la foudre pour vous, ça? Ou... Oh, la cache Goblin, on peut la monter! Écoutez, on va la monter tout de suite. On va la monter tout de suite. Sans plus hésiter, sans plus attendre. La cache Goblin, niveau 9! Niveau 9! Mesdames et messieurs, la cache Goblin, niveau 9. Incroyable. Incroyable. Plus qu'une victoire. Une victoire. On peut le faire. Ok. Il est où le ballon? Il est où le ballon? Pourquoi on n'a pas le ballon en main? C'est pas sympa ça. C'est pas grave, on défend au bûcheron du coup. Ok. Sorcier de glace, ouais, ça marche. Alors on va voir ce que t'as comme défense aérienne. C'est parti, testons. Ok, boule de neige là-dessus. Salut, salut. Petite boule de neige. Alors maintenant, ça on va redéfendre à la mousquetaire. Tranquille. Oh le ballon. Arrête-toi le ballon, arrête-toi, calme-toi. Faut obligé de tout tuer le ballon. Oh là là, ce fut de barbare! Ce fut de barbare d'une vie! Et là, on renvoie le push ultime, on envoie le golem de glace, on envoie le ballon de nouveau, et on envoie les battes, et en plus, on va mettre une boule de neige sur la sorcière, et normalement, normalement, plus rien ne peut arrêter ce ballon! Il va faire la victoire! C'est le ballon de la victoire! Regardez-moi ce ballon! Regardez-moi cette montgolfière! Et voilà, c'était un défi de la mort subite. C'était la mort subite. Wouh! Et on gagne 10 gemmes, incroyable. Bon, j'espère que vous avez apprécié, que vous êtes éclaté autant que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une excellente journée, bien sûr.